par ici. Excroissance sarcophile à noyau de ténèbres. Le matériau est organique. Cela me rappelle la flore de notre cher ami le vagabond. Étrange. L'esprit de ces cabales est suspendu dans les affres mortelles de la cognition, sombrant dans une singularité. Les infâmes, ils ne viennent pas de la ménagerie de Calus. L'éther sombre de cet appareil a été modifié. Son lien avec les ténèbres est renforcé, plus profond. Calus a toujours représenté une folie astucieuse. D'après les journaux, ce vaisseau s'est amarré au Léviathan. Son pilote est considéré comme un officier de Calus. Notre gardien était étroitement lié à l'Empereur. Non. De l'éther sombre concentré. Cela ressemble à la chambre de Galran, aux bains royaux, mais sans les systèmes vitaux. Des microgravures sur les murs intérieurs. Des griffures. C'est un message de Calus à son équipage. La fragilité de Galran nous a trahis. Il était trop pur, trop seul. Nos invités ne sont rien de ça. Une glorieuse chaîne d'esprits ténébreux, une bouche offerte pour que l'être des ténèbres puisse louer ma majesté. La grandeur reconnaît ses semblables. Notre offrande doit être à la hauteur de la fin.